Le voyage du petit pèlerin, chapitre 36. Les montagnes des délices. Lorsqu'enfin les fugitifs se trouvèrent de rechef dans le chemin du roi, la première parole des chrétiens fut « Oh, quel bonheur que discrétion m'ait donné cette clé! » « Oui, dit Espoir, autrement que serions-nous devenus? » Ils s'assirent au bord du talus, car ils étaient hors d'haleine. Désespoir ne risquait pas de les suivre jusqu'au chemin du roi, ainsi ils pouvaient se reposer un peu sans rien craindre. C'est dommage que les pèlerins ne sachent pas où va ce sentier des chrétiens. Si nous écrivions quelque chose sur une pierre que nous placerions près de la barrière, qu'en penses-tu? Essayons, répondit Espoir. Je saurai sûrement tracer les lettres avec mon couteau si nous trouvons une pierre assez plate. Ils cherchèrent donc autour d'eux et finirent par en découvrir une à la surface unie. Voilà notre affaire, dit Chrétien. Taille d'abord les lettres, puis nous roulerons le caillou là-bas. Ils discutèrent un peu sur ce qu'il valait le mieux inscrire. Enfin, Espoir tira son couteau de sa poche et grava ces mots sur le bloc. Ce sentier conduit à la forteresse du doute qui appartient au géant Désespoir. Ce géant est ennemi du roi, il essaie de tuer les pèlerins. Naturellement, cela prit du temps d'en tracer si long. La tâche fut pourtant achevée avant la fin de la journée, et quand la lune se leva, la pierre était placée, bien en vue auprès de la barrière. « Cela sauvera peut-être quelqu'un, remarqua Espoir. Tu as eu raison d'y penser. » La courte nuit d'été fut vite passée, et le soleil apparut derrière les collines. Les pèlerins marchaient gaiement, jouissant profondément de l'air pur et de la lumière éblouissante, après les terribles jours et les horribles nuits qu'ils venaient de vivre dans le cachot. « Que ces collines sont belles! Ce sont probablement les montagnes des délices, » dit Chrétien. « Je les ai vues de fort loin, du palais magnifique. Je crois qu'il y a des bergers qui vivent sur les pentes et font bon accueil aux pèlerins. Peut-être nous donnera-t-il quelque chose à manger, en nous permettant de nous délasser chez eux. » Bientôt, ils furent au pied des montagnes et commencèrent à grimper la pente aboutissant au sommet. En cet endroit, le chemin du roi était doux et facile, et non pas raide et rocailleux comme sur la colline Difficulté. Les versants des monts s'étageaient, plantés de vignes, de petits cours d'eau limpides, couraient dans l'herbe et çà et là de beaux arbres chargés de fruits couvraient le sol de leur ombre, abritant ainsi les voyageurs de l'ardeur du soleil. Espoir et Chrétien avaient grand faim. Grand soif aussi. Ils burent au ruisseau et cueillirent des fruits. Les bergers demeuraient non loin de là. Quand ils aperçurent les pèlerins, quatre d'entre eux vinrent à leur rencontre. « Sommes-nous ici aux montagnes des délices? » demanda Chrétien. « Oui, répondirent les bergers. Ce pays d'où l'on a vu sur la cité du roi est la terre d'Emmanuel et appartient au prince. Les troupeaux que vous apercevez sont au roi et nous demeurons ici pour veiller sur eux. » « Cette contrée est-elle près de la cité céleste? » interrogea Chrétien. « Est-elle sûre? » « Absolument sûre pour qui aime le roi, mais ceux qui ne le servent pas fidèlement, ils risquent parfois leur vie. » « Y a-t-il un endroit près d'ici où l'on peut se reposer? » poursuivit Chrétien. « Nous n'en pouvons plus. » « Mais certainement repartirent les pâtres. » « Le roi nous a donné l'ordre de rendre tous les services possibles à ceux de ses serviteurs qui passent ici. » « Venez avec nous et nous prendrons soin de vous. » Ainsi donc les bergers, instruits, réfléchis, attentifs et sincères, accompagnèrent les enfants à leur tente. Ils leur apportèrent de l'eau pour se laver et de quoi manger. Puis, voyant combien ils étaient exténués, Attentif leur prépara des lits. Espoir et Chrétien dormirent profondément toute la nuit. Le lendemain matin, ils se réveillèrent de bonne heure, détendus et fortifiés.